Bonjour à tous les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un sorbet au chocolat aussi parfait que celui-ci. Franchement, je trouve que c'est la meilleure recette de sorbet au chocolat que j'ai jamais goûtée. En plus, vous allez voir, il y a très peu d'ingrédients, la recette est super simple à faire et il n'y a aucun stabilisateur. Vous allez verser votre eau et votre sucre ainsi que les graines de la gousse de vanille dans le bol d'un robot comme celui-ci ou dans une casserole. Moi, j'ai utilisé un reste de sirop que j'avais réutilisé de ma recette de tarte bourdaloue. Mais si vous n'avez pas fait la tarte bourdaloue et que vous n'avez pas gardé le sirop, aucun souci. Les quantités citées en description sont celles qu'il vous faudra avec simplement de l'eau et du sucre et de la vanille. Après avoir ajouté votre sucre, vous mettez le cacao en poudre. Il s'agit de cacao en poudre non sucré. Et puis finalement, vous allez également ajouter votre chocolat en morceaux. Il s'agit de chocolat à 70%, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans cette recette. Aucun additif, aucun stabilisateur, et pourtant vous obtiendrez un sorbet au chocolat délicieux avec un goût corsé en chocolat et complètement vegan et sans gluten. Vous allez ensuite refermer le bol du robot avec le couvercle et vous allez le programmer pendant 10 minutes à 100 degrés vitesse 1. Cela équivaut à faire fondre le mélange dans une casserole puisque je ne mets pas suffisamment de vitesse pour que le mélange soit mixé ou trituré. Et donc vous voyez, c'est juste un mélange avec l'ajout de la chaleur du robot, ce qui fait que vous pouvez parfaitement faire fondre ça dans une casserole en fouettant avec un fouet pour que tout se mélange bien. Si vous utilisez le robot Thermomix, il faudra mettre le panier pour éviter les éclaboussures. Après 10 minutes, vous voyez, votre mélange est parfaitement fondu et homogène. Il ne vous reste plus qu'à le verser dans un contenant hermétique. J'utilise directement un grand verre gradué avec bec verseur qui possède un couvercle et vous mettez ça au frais de préférence jusqu'au lendemain ou jusqu'à ce que le mélange soit complètement refroidi. Le lendemain, vous allez vous saisir de votre sorbetière ou turbine à glace. Le modèle que j'utilise est précisé dans la description avec même un code promo. Et vous allez sortir votre préparation à sorbet du frigo. Vous allez le fouetter légèrement pour l'homogénéiser. Regardez la texture qu'il a. Il est très très crémeux et il a légèrement épaissi. C'est tout à fait normal. Ce mélange-là, vous allez tout simplement le verser dans le bol de la sorbetière. Je précise que l'utilisation de la sorbetière est très utile pour cette recette et que si vous n'en avez pas, vous pouvez verser cette préparation refroidie dans des bacs à glaçons et ensuite vous les faites prendre au congélateur et vous les mixez avec un mixeur bien puissant juste avant la dégustation. Il faudra déguster donc immédiatement. Après avoir versé votre mélange dans le bol de la turbine à glace, vous mettez la pâle et vous placez ça dans son support. Et puis vous allez fermer la turbine à glace. J'adore ce modèle, il est vraiment génial. Et en plus, il s'avère qu'il est en solde en ce moment sur le site de Koro. Donc si vous ajoutez mon code et que vous profitez des soldes, vous allez vraiment l'avoir à un prix super réduit. Vous commencez à programmer donc votre machine pendant 40 minutes et la machine va vite refroidir le mélange qui va vite épaissir, vous allez le voir. Regardez, on voit déjà que le mélange épaissit rapidement. Et après environ 35 minutes, la machine va s'arrêter automatiquement parce que le sorbet aura pris. Donc si vous voulez d'emblée programmer la machine seulement 35 minutes, c'est possible. À la fin du programme, votre sorbet au chocolat est prêt. Vous pourrez le déguster immédiatement. Il a déjà une consistance hyper agréable. Il est très ferme. Il est plus ferme que certaines crèmes glacées à base de produits laitiers d'ailleurs. Et regardez, je vais donc vous montrer sa consistance qui est magique. Donc si vous avez une turbine à glace comme celle-ci chez vous, n'hésitez pas à préparer le sorbet environ 40 minutes avant de servir le dessert parce que regardez-moi cette magnifique quenelle de glace, brillante comme tout, avec une texture idéale. Franchement, je doute que vous trouviez une meilleure recette de sorbet au chocolat que celle-ci, en toute modestie. Voilà les gourmands,
J'espère que cette recette vous a plu. Vous pourrez servir ce sorbet avec le dessert que vous préférez. Ça peut être une tarte aux poires, par exemple. Ce sorbet s'associe parfaitement avec la tarte bourdaloue ou bien même un autre type de dessert, un petit coulant au caramel au beurre salé ou bien un autre dessert au cacao, par exemple des petits sablés au cacao, etc. Pour conserver ce sorbet, c'est tout simple. Vous allez le verser dans un contenant hermétique, de préférence bien propre. Ici, celui-ci est en verre, mais il peut aussi être en plastique. Il n'y a aucun souci, vous utilisez le contenant que vous préférez. Et vous allez bien nettoyer cette palle pleine de sorbet au chocolat. Regardez-moi cette texture merveilleuse. Il est encore meilleur que chez le glacier. Et après avoir versé tout votre sorbet dans votre contenant, vous allez juste lisser la surface, bien le fermer. C'est important d'utiliser des contenants hermétiques pour les recettes de glace et de sorbet pour éviter la formation de cristaux. Et vous pourrez conserver ce sorbet indéfiniment au congélateur. Je vous recommande juste de le sortir si vous l'avez mis au congélateur plus de 6 heures, environ 10 minutes, un quart d'heure avant la dégustation pour qu'il se ramollisse légèrement et que vous puissiez le servir plus facilement. À très bientôt avec plein d'autres recettes. Bisous bisous les gourmands, bon appétit!